Wop, web, open another web. Wop, web, open another web. Wop. Coucou les poupous et les poupettes. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo. Je sais pas ce que ça va être en fait. Ça va être des questions. En fait, elle a vu des questions sur Twitter. J'ai vu des questions sur Twitter et en gros, on va se les poser. Et voilà. Je t'ai dit qu'on allait le faire à deux. Voilà. Donc on va poser les questions et on va y répondre. Et puis voilà. Ça va être quoi le titre de la vidéo? Franchement, on devrait trouver un titre. Question, je sais pas moi. Je sais pas, on va voir. On verra bien. Vas-y. C'est parti. Pause. On est bon? Ouais. On est bon, bon, bon. 3, 2, 1. Tu es en couple depuis 2 semaines. Il ou elle te demande de lui prêter de l'argent. Tu fais quoi? Je lui prête. C'est bon, je vais pas mourir avec mon argent. C'est bon quoi. Arrête, après, si ça devient trop abusif, je lui dis gros, c'est bon là. C'est ça. Parce que moi, on m'a fait ça, tu vois. On m'a mistonné. Et je donnais de l'argent à tout va, donc. Mais maintenant, je ferai plus cette même erreur. C'est ça le problème. Tu peux prêter de l'argent, genre, tu dis, t'es pas vraiment mal. Tu vois pas. Genre, je sais pas. Mais là, après, je veux dire, gros, abuse pas, je sais pas la. C'est ça, tu connais rien, il peut aller, ouais, prête-moi 200 balles. Je vais te fermer ta gueule, tu vois. Direct. Et toi? Bah, comme je te dis, moi, c'est comme toi. Si, viens, ouais, est-ce que t'as 20 balles? Ouais, vas-y, tu connais, je te donne 20 balles. En plus, tu connais. Si ça fait 2 semaines que t'es avec la personne, c'est-à-dire, vous avez déjà parlé quand même un petit moment avant, tu vois. Mmh. Parce que je la connais quand même un minimum. C'est pas genre, vous êtes mis direct, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire, okay. Je peux te prêter 20 balles, je te fais confiance. Entre guillemets. Entre guillemets. Prochaine question. Il veut faire sa vie avec toi, mais il n'a pas les mêmes origines que toi et ta famille. Il ne veut pas de lui, tu fais quoi? Moi, je vais forcer, hein. Bah alors là, non, ça bug. Moi, je vais forcer jusqu'à que tout le monde l'intègre dans la famille. Vous êtes fous, quoi. De toute façon, toi, ta famille, ils sont grave cool, hein. Donc, au final, en fait, toi, qu'on a fait le. Ah oui, parce qu'en fait, je vous explique qu'on a fait un prank à ma mère. Mais malheureusement, elle veut pas qu'on le poste sur YouTube. Il demandait maman, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il est venu chez moi à Nantes. Donc, chez mes parents. Et donc, du coup, on lui a fait un prank. Donc, il est venu, que oui, il est pas venu là pour rien, nanana. Ma mère, elle disait. Moi, je voulais rigoler. Et en gros, il a dit oui, je suis là pour demander la main de votre fille, tout ça. Ma mère, moi, je pensais qu'elle allait commencer à crier des trucs de wow, ça c'est quoi ça? Parce que moi, j'ai jamais ramené un garçon devant ma mère ou devant mon père ou que ce soit. Genre, pote, elle en a vu vite fait, mais qui est venu jusqu'à Nantes, genre comme ça, non, jamais. Elle a dit oui, moi, je trouve que t'as l'air d'être quelqu'un de très gentil. Donc, moi, je t'accepte et tout. Bienvenue dans la famille, j'étais comme ça. T'es dit, mais wesh. Bienvenue dans la famille. J'ai dit, ham derrière. Après, on a dit, maman, c'est un prank, gros. Je vois. Elle m'a dit, ah là là, mais vous êtes méchant. Ton mari dans un mois, ton ex que tu as le plus aimé revient s'excuser et te demande un mariage. Ton amour est partagé entre ton futur mari et ton ex. Tu fais quoi? Je crois que j'appelle mon ex, je dis MDR en fait. MDR en fait. Au moment où elle me demande, je dirais, lol. Hein? Qui es-tu? Je sais pas. J'attends pas. Mais t'es bête ou quoi toi? Entre ton futur mari et ton ex, c'est fou. Franchement, il y a des personnes qui disent, ouais, non, moi j'ai trop aimé mon ex, donc je reviens vers mon ex. Je sais qu'il y en a beaucoup pour le faire, mais waouh. Non, vous, pas, vraiment, c'est que votre couple là de base, c'est que c'était chaud. Laisse tomber ma future femme. Ah non, non, jamais, non. Jamais, on va se marier à Bali, Bora Bora, t'es comme ça, tu viens me déranger. Salut. Quitter. Tu vas te marier où? Quitter. Oh, mais je connais, si on a l'état, Inch'Allah. C'est bien, je peux que te souhaiter ça. Inch'Allah. Non, tu pars de la lune du miel, tu veux dire. J'aimerais bien faire un mariage, genre, tu vois pas. Tu gazes, hein. Ça serait lourd, hein, mais gros, faut l'étaler. Moi, je viens pas, gros. Je serais de prendre un bon billet, juste prendre. Et c'est moi, je m'occuperai des billets. Ah, là, tu me prends le billet? Bah oui. J'avoue. Là, je me déplace. Quand vous allez dire oui, je dis ouais. Ah, je vais prendre des belles photos sur la plage et tout. J'aime pas vous caler. T'as capté Instagram. Eh, gros, ah, non, ça moi, va. Je me marie que pour Instagram, hein, sinon le reste. Oh. C'est pas fou, là, on va couper. On va couper au montage. Non, franchement, si tu te maries ici, c'est mieux. Ouais. Parce que gros, moi je vais me déplacer jusqu'à là-bas. Ce serait trop lourd, vacances en même temps, truc. Ouais, mais non, abuse pas, wesh. Alors, il ou elle est en couple avec toi et disparaît du jour au lendemain. Il revient 2 mois plus tard en s'excusant. Tu fais quoi? Alors là, je suis désolé. Ta gueule internationale. Non, attends, c'est genre. Je la réponse à toi. Je la regarde. Ah, ok. Du coup, on disait. Non, mais MD en fait. Elle, les trucs comme ça. En plus, je sais pas pour. J'ai pas envie de généraliser, mais les hommes. Vous êtes un peu fort dans ça. Pas forcément d'en partir du jour au lendemain, mais partir déjà. Ouais. Et revenir comme une fleur en mode. Non, il y a rien, genre. Mais tais-toi, en fait. Alors, accepterais-tu que ton ex sorte avec ton ou ta meilleure amie? Pourquoi quoi? Ils vont faire quoi ensemble? Bah, après, regarde, t'es moi. Toi, c'est peut-être ton avis, hein, mais moi, de mon avis. Tu vois, il y a ex, il y a ex-ex.
on a dit ex, il n'y a pas de différence d'ex. Il y a ex, tu l'as aimé gros, on va dire. Non, je l'ai aimé, genre vraiment une vraie relation. Oui, bah, imagine bah, écoute, si vous êtes capable de trouver l'amour ensemble, faites votre vie. Hein. Et après, tu vas continuer le câlin. Le problème, c'est que c'est mon meilleur pote, t'as vu. Et après, tu vas continuer le câlin en mode, y'a rien. C'est mort, c'est mort. C'est quoi, franchement, moi, je suis archi indulgent comme mec, genre. Non, toi, en fait, toi, ton problème, c'est que t'es trop gentil. Genre, après, tu connais par principe, oui, non, gros, t'es bizarre. T'as capté ou pas? Non, mais toi, je sais que toi, tu serais capable. Maintenant, vas-y, il arrive, franchement. Je veux dire, t'es sérieux, là. Parce que après, tu vois, ça porte à confiance, c'est-à-dire que quand on est ensemble, mais là, tu vois. Mais c'est pas grave. Mais toi, en fait, toi, tu. J'ai tranquille, mais gros, c'est pas moi qui vais juger, hein. Être ami avec son ex. Mais moi, tu vas pas demander. Toi, je sais que tu peux pas, c'est mort, toi, tu vas gifler la personne. Moi, je suis pas violente, hein. Arrête de faire comme si j'étais violente, je suis pas violente du tout. Tu sais très bien que je suis pas violente. J'ai rien dit. Non, parce que tu commences à me faire passer pour quelqu'un de violent. Genre, je vais gifler. Et moi, je suis pas dans ça. Moi, j'ignore, je parle même pas. Je vais te regarder comme ça. Mais faites. Allez-y. Après, je vous cale là. Mais plus je vous bloque de partout, ça sert à rien de dire mon blaze. Bloc. Être ami avec son ex, est-ce que tu peux? Ouais, large. Ouais, moi aussi. Je peux de ouf. Moi, non, ça me dérange pas. Enfin, après, si on est des grandes personnes, si tu sais, moi je sais, c'est bon, on sait, frère. Ton homme ou ta femme te trompe, mais décide d'être honnête avec toi et vient te voir pour tout avouer. Tu fais quoi? Ça a rien changé au fait que tu m'as trompé, gros. Bah. C'est pas parce que tu m'as dit que Crary, je lui pardonnais à 50%, hein. C'est pas les soldes. Hein. C'est pas ça. Non, je dis. J'explique maintenant, regarde. Eux aussi, ils disent pas, mais il t'a trompé. S'il vient déjà te l'avouer, c'est qu'il est déjà, il se sent déjà un peu mal par rapport à ça, qu'il sent le besoin de te le dire. T'es d'accord avec moi ou pas? Ok, donc déjà, il te le dit. Maintenant, je pense pas qu'il revienne forcément pour voilà, dire que tu vas le récupérer, tu vois pas. Juste maintenant, il te le dit. Maintenant, toi, tu réagis comment? Au moins, tu vois, il te l'a dit. Mais ça sert à rien de dire le au moins, parce qu'au moment où il m'a trompé, il savait très bien ce qu'il faisait. Donc ça sert à rien de dire après d'avoir des regrets, non, mais hey, ça sert à rien. Tais-toi, va-t'en que tes regrets, tu m'as trompé, gros. Mais si tu m'as dit, il n'y a pas de moins 50, moins 75%, je m'en tape. Tu m'as trompé, gros, tu savais très bien ce que tu faisais. Faut arrêter les trucs, t'es non, mais c'était le sur le moment, il n'y a pas de chou moment, tu sais très bien ce que tu fais, gros. Salam, c'est la fête ou quoi? Après, ça, c'est des trucs, tu pardonnes, il va profiter, il va dire, oh, c'est bon, je lui ai dit, elle a pardonné. MDR, moi, je suis pas là-bas, je suis pas dans ça, moi. C'est bon. Et toi? Oh, tu connais, moi, je peux me pardonner. Non, toi, tu m'énerves, là. Giovanni, il est trop gentil. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est trop, carrément, des fois, je m'énerve contre lui parce qu'il est trop gentil. Arrête des trucs. Attends. On est des êtres humains. Non, imagine que tu es dans une relation. La meuf avec qui je suis dans une relation, elle vient me l'avouer. Moi, franchement, je suis désolé. Nanana. Écoute, y'a pas de souci, tranquillement. Si vraiment je l'aime. Tu sais, c'est de l'amour. Moi, tu sais très bien ce que m'a pensé par rapport à l'amour. Okay, si maintenant il arrive qu'un jour, vraiment, j'aime la personne, je sais qu'au final, j'aurais trop de la rage de devoir la quitter pour aller voir quelqu'un d'autre. C'est ce que je dis ou pas? Donc, si maintenant il arrive que je peux la pardonner, je te pardonne. Ça va être dur, hein, évidemment, ça va être dur. Je te pardonne. C'est ce que je dis ou pas? Tu t'es pas sorcier. Maintenant, imagine c'est ta femme. Maintenant, imagine c'est ton homme, ton mari. Vous avez des enfants. Ben justement, quand il m'a trompé, c'est qu'on a des enfants, non? Les points de vue divergent en tous les cas. Oui, mais quand il m'a trompé, il savait qu'on avait des enfants, qu'on s'est marié devant Dieu et tout, il sait, non? Il est pas fou. Peut-être je suis folle, mais il savait très bien. Oh. Mais c'est du manque de respect. En plus, on est mariés, gros. Mais MDR. Les femmes aiment les hommes très musclés. C'est un mythe ou c'est la réalité? Oh, c'est faux, ça. C'est vrai que j'aime bien les skinny en ce moment. Ouais. Non, mais c'est même pas forcément skinny, mais c'est pas toutes les meufs qui aiment les mecs archi-musclés, genre bien. Archi-musclés. Moi, par exemple, c'est pas mon délire, genre. Donc moi je suis musclé, je suis pas ton délire. Bah je te l'ai toujours dit. Bah je t'ai dit que t'étais pas mon délire, Joe. Je t'ai dit t'es un bel homme et tout. En tout cas dans les smash or pass, t'as dit smash. Mais oui, parce que je t'ai dit t'es beau. Ta gueule, vas-y. Je l'ai toujours dit, je lui dis c'est un bel homme et tout. C'est quoi le point que tu disais déjà? Moi si t'es un gars. Attends, parce qu'en gros le truc c'est quoi? C'est que moi je lui dis c'est un bel homme et tout. Mais je te dis de moi, de base, enfin, y a même pas de base, t'es pas mon style de mec, genre. Non, parce que j'ai pas de barre, parce que t'es cool. Mais, et puis même t'es pas skinny. Alors, il te demande un mariage dans une chicha, c'est une honte. On est où là? Mais attends. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais monsieur, toi en fait, non. Dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans une chicha? Mais qu'est-ce qu'il y a? Faut pas abuser, pas dans une chicha quand même. Non, je capte. Tu fais pas ça. Non, toi, tu pourrais demander ta femme dans une. Non, ta future moi, femme? Moi, c'est beau gosse, moi, ça sera. Voilà, un minimum. Tu me l'as pas le même principe. T'es pas obligé d'être dans un bête de lieu, mais quand même un lieu. Ouais, c'est ça, je dis, c'est le moment qui compte. La façon dont la soirée se déroule. Un chicha, gros, c'est bizarre quand même. Selon vous, une femme peut-elle faire le premier pas ou pas? Bah oui.
C'est bon, wesh. Total. Ça arrive, hein. Mais après, moi, je... Tu pourrais accoster. Moi, j'ai jamais fait. Tu pourrais accoster un mec. Tu pourrais être forcément dans la rue, hein, mais tu connais Chicha. Hein, après, moi, je suis tellement sociable, tu vois comment je suis, genre. Ouais. Ça peut aller, genre, ça peut être pris comme ça. Ouais. Genre, on est en groupe et je viens de te connaître et vas-y, on commence à parler. Moi, je commence à parler, rigoler avec toi. Mm. Mais genre, voilà, quoi. Microscope. Aimerais-tu être célèbre? Je t'ai vu, mais vas-y, je vais t'ignorer. Aimerais-tu être célèbre? Moi, je vais la vie d'artiste, hein. Bah, 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 bah. Aidez-moi. Non. Ça va bien se passer. Bah oui. Je... Franchement, si tu pouvais choisir entre être célèbre et discrète. Genre, tu gagnes des tas, là. En étant célèbre, tu gagnes aussi des tas en étant discrète. Ouais, c'est mieux discrète. Si tu gagnes des tas, de ouf. Pas autant, mais quand pas tu... autant que, pas autant que célèbre. Bah, hein, quand tu... Mais la célébrité, là, c'est dur, hein. Gars. Tout le monde dit, là, il veut savoir ta vie. Tu dis, ah, vas-y, c'est bon, démarre. Si je gagne des talents en étant discrète, je vais grave choisir discrète. Mmh. C'est mieux, même pour moi, pour préserver ma famille et tout, mes proches et tout, c'est mieux, tu vois. Mmh. Mais genre, célèbre, c'est pas tout le temps 8 ans. Tu vois, les gens, ils sont en dépression, ils font des trucs, des bails, des choses, là. Oh là. Vas-y. Et toi? Moi, non. De quoi? Être célèbre? Genre, on va dire, maintenant, je me connais un peu. Bah, de par ça, la chance. Genre, j'ai mis, ça a marché, tu vois ce que je veux ou pas? Donc, ouais. Je suis tombé dedans, on va dire, malgré moi. Mais si j'avais à choisir entre les deux. En fait, toi, ce qui me tue, c'est que comment t'es sur les réseaux et comment t'étais à l'époque de ça, là, rien à voir en vrai, genre. Comment ça? T'es pas comme... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Genre, je sais pas, il y en a plein qui me disent que, voilà, ils t'aimaient pas par rapport à ça. Mais alors que t'as rien à voir. C'est une crème. Ouais, c'est rien. As-tu déjà menti droit dans les yeux de ta copine ou de ton copain? Dis la vérité, on te jugera pas. Oui. C'est triste de dire ça, mais oui, God. Mais franchement, je suis désolé, hein. Non, moi, c'est comme quand on a fait le truc, les hommes montent plus que les femmes, mais les femmes montent mieux que les hommes. Ouais. Et des fois, on est obligé de mentir. D'accord? Sinon, c'est mal sinon, interprété, c'est mal, il y a des trucs. Même des petits mensonges, c'est des trucs à la con. T'es obligé de mentir. Genre, je sais pas, t'es avec Giovanni, non? Alors, ouais, c'est clairement avec lui. T'étais avec Giovanni hier? Ouais, non. Quoi? Hey, moi? MDR. Tourne les deux. Moi? Voilà. Tu apprécies plus la beauté intérieure ou la beauté extérieure? Intérieure. Alors, les filles, qu'est-ce qui vous a... Non, mais toi, c'est extérieur? Ah non, intérieur, frère. On arrive à un âge où t'es obligé de... Non, parce que t'as... Mais non, l'histoire, t'es obligé de... En fait, toi, je pense que tu as quand même une attache assez particulière aussi. Physique. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que la personne, faut qu'elle me plaise. Non, moi, je parle de toi. Oui, je sais, je te dis qu'il faut que la personne, elle me plaise quand même un minimum. Oui, non, mais il faut qu'elle me plaise. Non, mais quand je dis plaise, c'est-à-dire que voilà, on va dire, j'ai certains, on va dire, critères. Que je favorise, tu vois ce que je dis ou pas. Ouais. Maintenant, le truc, c'est quoi? Je peux tomber sur une meuf qui a, franchement, les critères parfaits pour moi. Si dans sa tête, là, elle et moi, on peut pas être posé comme toi et moi, on est là, on discute, on rigole toute la journée, on fait des activités, tu ne rentreras pas dans mais ma vie. Mais tu sais que. C'est ça que. Mais aussi, il faut aussi Django. Que tu saches qu'il faut pas que tu la compares avec moi. Non! T'as capté ce que je viens de te dire? Quand tu dis, ouais, si oui. On rigole pas comme toi. Parce que la relation que toi et moi, on a, personne ne peut l'avoir. Il n'y a personne qui peut l'avoir. Mais c'est vrai. Pour Bichon. Mais c'est vrai. Bichon. Non, mais genre, en gros, y a la relation que toi et moi, on a, personne, mais je ne peux pas l'avoir avec quelqu'un d'autre. C'est particulier, genre. Mm. Et c'est pas de l'amour du tout, hein. Mais genre. Donc, je ne peux pas comparer Giovanni avec mon mec, genre. Ça n'existe pas. Je vais pas comparer. La relation que j'avais avec mon mec, elle sera différente que celle que j'ai avec Giovanni. Et lui et moi, on sait comment on sait la relation qu'on a. C'est pas du tout de l'amour, mais tu vois, t'as capté. Genre, il peut pas me remplacer, wesh. Et moi, je peux pas te remplacer. Ouais. Les filles, qu'est-ce qui vous attire le plus? L'homme qui se fait beaucoup remarquer ou l'homme qui est simple? Simple. Oui, toi, tu dirais simple, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se remarquent. Hein. Parce qu'il y a des, oui, y a des filles, et tu les t'arrives mieux à les avoir quand t'es avec toi. Oui, bah oui, il y en a plein. Un garman, mais moi, sens. En fait, enfin, je dis ça parce que comme je suis sur les réseaux, j'ai pas envie que mon mec soit sur les réseaux. Ouais, là, j'ai envie de niquer parce qu'il répond à des messages. Giovanni, on fait une vidéo là, en fait, pourquoi tu réponds les messages? T'es ou c'est pour ça qu'il m'énerve. Tu m'énerves quand tu fais des trucs comme ça, va là-bas. Casse-toi. Tu fais quoi, non? Ah, t'es con. Vas-y, casse-toi. Mon mec, non, mais mon mec, personne ne va le connaître. Il n'y aura pas de photos basse, botte, coupe, poubelle ou défiant, t'enfiant, là. Ah,
ça m'intéresse pas. À part si lui, vraiment, il commence à être dans le délire en mode... voilà, il veut faire ça avec moi et tout, je vais pas lui dire non, mais non. Parce qu'il va penser que je veux le cacher ou quoi, tu vois. Mais sinon, moi, de base, c'est pas dans mon intérêt forcément de... Je pense qu'il y a personne ici qui a vu un de mes mecs, hein. Enfin, quand, depuis que je suis sur les réseaux. Moi-même, j'ai jamais vu... Un de mes mecs ? Bah, le mec le plus récent, tu l'as vu, je te l'ai montré. Ouais, oui, mais... Les autres, non. Alors, ouais. As-tu peur de dire je t'aime ? Non. Non, pas du tout. Et moi, je dirais que si vraiment, tu vois, bon, on partage, genre... Et là, ils ont trop, je t'aime facile, t'as capté. Ouais, je vois. Moi aussi, c'est pareil. Je dis pas souvent, mais quand je le dis là, hé, ça veut dire que vraiment je t'aime, quoi. Ça veut dire je t'aime. Doit-on tout se dire lorsqu'on est en couple? Je dirais oui, après, il y a des choses que voilà. Tu peux pas dire, mais. Il y a des trucs que tu gardes dans ton petit jardin. Tu vois ce que je veux pas, voilà, il y a des trucs que tu peux pas dire. Il y a des trucs qui t'énervent la personne, mais tu peux pas le dire parce que tu vois pas. Ouais. Après, si tu veux avancer... Oui, mais tu le fais comprendre, tu fais comprendre, tu vois, mais de dire cash comme ça. Après, je connais, j'ai trop... même pas que par rapport à ça, mais il y a des trucs que... Je connais même des trucs, les gens, ils t'énervent, tu te dis, mais bon, tu sais, oh, je m'en fous, je l'aime, donc c'est cool, tu vois. Mais rien, tranquillement. C'est quoi qui t'énerve chez moi? Quand tu boudes pour rien. Mais quand tu connais, c'est... Mais je boude pas pour rien, je trouve. Alors? Toi, tu sais, c'est quoi qui m'énerve chez toi? T'es trop un cachotier. Voilà, c'est... C'est genre quoi ça? C'est dit, j'ai dit, ne m'énerve pas. J'ai dit, c'est un truc qui m'énerve déjà. Même je voulais pas d'accord avec ça. Donc... Alors, les filles, plutôt soirée entre copines ou avec ton chéri? Eh, copine! Oh là là, ça bègue. Entre copines? Ah ouais, entre copines, entre potes. Oui. Ok, ouais, moi aussi, pareil. Ah ouais, flemme que t'as ton boug et tout, des trucs, des choses. Tu connais une petite soirée B? Non, c'est bien, c'est bien de ton. Ouais, mais je préfère les soirées avec mes potes, moi. Moi, j'aime trop rigoler. Moi, c'est trop mon délire. Je suis d'accord. As-tu déjà vécu un amour à sens unique? Oui. Donc, peut-être la personne avec toi qui l'a mis. Bah, c'est ce que je ressentais au final. Mais j'ai mis du temps à comprendre. Ouais, non, pas encore. Moi, j'ai mis. Moi, y'a personne qui m'a aimé de toute façon. 1 million d'euros en échange d'un an de prison, que tu. T'acceptes? 1 million d'euros. En échange d'un an de prison. Ouais, je préfère être pauvre, gros. Moi, la prison, un an, je suis drôle de t'appeler, je peux pas. Un an, c'est drôle. Tu vivre en prison, hein. Ouais, non, ça m'intéresse pas d'être en prison. Ouais, bon, ça m'intéresse pas de pas être libre. Ouais, enfin, genre, un an. Un an. Ouh, c'est bon, merci. Une personne vient te voir et te propose de te donner 1 million si tu lui laisses ta chérie ou ton chéri pour une nuit. T'acceptes? Prends. C'est-à-dire que... Prenez déjà. Mais déjà qu'il doit faire ça gratuit. Tu penses que avec prenez, monsieur. Prenez les hommes là, vas-y, c'est bon. Alors, crois-tu au coup de foudre? Ouais. Ouais. Ouais, je pense. Non, vraiment, genre, tu peux tomber sur quelqu'un du jour au lendemain comme ça, paf. Choqué. Piéger son chéri ou sa chérie pour voir si elle est sérieuse, c'est justifié ou pas? Archi pas mon délire. Non, je trouve pas. Je trouve ça c'est bête. Les trucs de piège, c'est des trucs d'enfant, wesh. Le truc de... Je vais piéger mon mari. Va là-bas. Toi, tu pourrais. Mais moi, je suis pas dans ce délire-là, je me connais, moi. De toute façon, toi, je me demande, t'es dans quel délire quand t'en... Parce que je comprends pas. Moi, je suis archi... Quoi, quand j'en coupe? Difficile de ouf, femme cernée en plus. Adieu, gros. Déjà, oh, déjà, en amitié, t'es difficile à cerner, mon frère. Adieu. J'ai loupé des questions ou pas? Non, c'est bon, je crois qu'on... Bon, on est arrivé à la fin. Donc voilà, des petites questions comme ça pour voir un peu notre avis sur chacun. J'ai appris des choses sur les petits Joe. Donnez votre avis aussi en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de certains trucs parce que je sais qu'il y en a des fois. Il y en a qui réfléchissent bizarrement. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Non, mais chacun, de toute façon, on a tous notre propre avis. Donc, Ouais, mais on peut être objectif des fois quand même. Faut pas abuser. Non, mais de toute façon, on peut pas penser comme tout le monde. Genre. Chacun a son avis. Arrête de faire des trucs de bête comme ça. C'est pas comme je faisais. Ah, ça m'énerve quand tu fais ça. Parce que t'es vraiment trop moche, genre. Arrête. Donc voilà, c'est tout pour nous. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Et donc voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Habitue-toi partout. Instagram, Snapchat. Non, Snapchat, c'est t'habitues pas. Twitter, habitue-toi. Et moi, Osana Menta partout. Twitter, Snapchat et Instagram. Donc on fait. Vous avez apprécié la vidéo, le pouce bleu, la clochette. On n'oublie pas de follow le compte d'Osan Menta parce que c'est la meilleure, tu connais déjà. Et son compte à lui. Oh, moi c'est t'inquiète. Et on vous fait des gros bisous.